Jésus. Aussi tu es prêt, tiens-toi debout pour louer Jésus. C'est lui qui a tout accompli à la croix de Golgotha. Il a payé notre dette. Il nous a délivrés du péché. Est-ce que tu peux danser avec nous? Je ne suis plus lié, oh. Je ne suis plus lié, oh.
Beta mololo, 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 mololo. Oh!
Yeah.
Prie le Seigneur, continue à prier. Père, merci pour ta présence qui remplit ce lieu. Merci pour ton onction qui coule abondamment, Seigneur. Merci pour les âmes qui seront sauvées ce soir. Merci pour les malades qui seront guéris. Pour les captifs qui seront délivrés. Merci Seigneur pour le baptême dans le Saint-Esprit. Merci pour ceux qui vont recevoir l'onction pour te servir. Merci pour les rétrogrades qui vont revenir à la maison.
Merci pour ceux qui sont debout que tu vas encore encourager. Merci pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Merci pour ces hommes et ces femmes assoiffés de toi. Ils désirent ardemment, Seigneur, ta main. Ils désirent ardemment voir ta face. Que ton amour soit répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit. Que cet endroit soit sous ton contrôle et sur ta domination. Et qu'aucune puissance contraire ne puisse agir au nom de Jésus. Que tout agent de l'ennemi se convertisse ce soir. En rencontrant ta sainte puissance. Merci pour ton peuple qui est venu nombreux dans ta présence. Et merci pour ce que tu vas lui dire. Au nom de Jésus. Bénis ta parole que nous allons écouter. Accompagne-la par des signes et des prodiges. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur très fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort que ça. Balance ta main. Pepa loboko na yo. Salut 10 personnes. Pesa bato zomi mbote. Alléluia. Merci Coral, vous êtes très beau, vous êtes très belle ce soir. Matondo mingi bayembi bobimi bonzenga kitoko mingi na pokwa na lelo. Vous êtes très belle, très beau. Bimi kitoko pe bonzenga na pokwa na lelo. Oui, on va toujours m'accompagner avec Oui, je t'aime. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Na sengina bino pokoki kovanda. Est-ce que tout le monde nous entend, même très très loin là-bas? Atakuna na sima motonyo sazoyo kabiso. Gloire au Seigneur. Kembo na kolo. Je suis très heureux de vous revoir. Il y a très longtemps. J'ai l'impression que j'avais voyagé. Pendant 40 jours. Pour revenir à Kinshasa aujourd'hui. Et je vous trouve tous spéciaux. Vous m'avez beaucoup manqué. Je remercie le Seigneur qui nous accorde aujourd'hui d'être là pour tenir cette croisade. Depuis toujours, Dieu m'avait demandé de tenir des croisades. Mais je n'avais pas eu le temps et l'occasion pour faire cela. Notre dernière croisade remonte à 2001. À Salongo, le thème était « L'enfer existe ». Et aujourd'hui, ça fait 15 ans après. Que le Seigneur nous a dit depuis l'année passée qu'il est temps de bouger. Et cette croisade annonce beaucoup d'autres croisades que nous tiendrons au triomphal
Otokosala na triomphal. Tata Raphaël. Na Tata Raphaël. Stade de martyr. Na libanda masano ya martyr. Et dans le monde entier. Pena bisika nyonso na mokili. Et je tiens à remercier. Azape na kotonda. Parce qu'on n'aura pas le temps de dire merci à la fin. Pona suka tokosa tanga kotonda te. C'est pourquoi j'aimerais m'acquitter de cela. Yango na lingi na milongola na ngamboyo. Je tiens à remercier toute l'équipe événementielle de l'Église Compassion. Pour ce grand travail abattu. Je n'ai rien fait. Je suis allé prier, je suis revenu et voilà. Que Dieu vous bénisse. Je remercie tous les anciens. Tous les diacres, tous les ouvriers et tous les fidèles de la compassion, des extensions, cité Maman Mobutu, Kitambo, Lemba, Massina, que Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie également tous les hommes de Dieu. Mes aînés, ceux de ma génération et ceux qui viennent, qui, malgré leur emploi du temps, ont répondu à cette invitation. Et je remercie mon épouse. Elle a fait un grand travail. Vraiment, j'ai découvert une autre femme. Que Dieu te bénisse, Blanche. Et qu'il t'élève davantage. Et je remercie Jésus de Nazareth. L'Alpha et l'Oméga. Nous sommes debout enfin de lire nos Bibles. Nous allons lire trois passages dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 8. Vous y êtes? Apocalypse 1, verset 8, la Bible dit: Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Un autre passage qui lui est similaire. Apocalypse 21, verset 6. Et il me dit: C'est fait. Et salami. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Nazali Alpha pe Oméga. Le commencement et la fin. Et bandele pe souka. À celui qui a soif. Na onyoso ali na posa. Je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Na kopesa ye lisiba ya mayi na bomo ya ofele. Et pour terminer. Et pour na kosukisa. Apocalypse 22. Et moni c'est le tukumi balé na mibalé. Nos trois passages sont dans Apocalypse. Ba matangi nyoso misato ezali na moni c'est le. Apocalypse 22 verset 13. Emonisele tukumi balé na mibalé tatala ya zombi na misato. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Nazali Alpha pe Omega. Le premier et le dernier. Oyali boso pe ya suka. Le commencement et la fin. Ya ebandeli pe ya suka. Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous. Père, bénis ce message. Papa pambola maloba oyo. Parle à un homme. Lobela mobali moko. Parle à une femme. Lobela pe mwasi moko. Parle à quelqu'un. Lobela moto moko. Ô Saint-Esprit. Vivifie ce message. Et que dans notre faiblesse, ta puissance soit manifestée. Au nom de Jésus-Christ. Christ. Amen. Amen.
Le thème de notre croisade, c'est Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Tu peux dire ça à ton voisin, Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Lorsque nous disons Jésus-Christ est alpha et oméga, c'est sûr qu'il y a plusieurs questions dans les cœurs. Ce n'est rien de compliqué. Alpha veut dire, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Comme A dans l'alphabet française, l'alphabet anglophone. Et oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec comme Z. Oméga est la lettre souka et alphabet grec locola Z. Donc on peut dire que Jésus est le A et le Z. Alléluia. Amen. Mais quand on dit Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, il y a plusieurs significations spirituelles. Donc on dit Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, et ça va dire que c'est le A et le Z. Je ne veux pas entrer en profondeur parce que c'est vrai, il y a l'église, mais il y a aussi des âmes qui doivent être sauvées. Je vais vous dire que c'est le A et le Z, mais il y a aussi l'église qui doivent être sauvées. Lorsque nous lisons les trois passages que nous venons de lire, nous trouvons déjà des explications sur Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Ce qui totangi matangi misato toti kotanga tokozali ama sosolami na wetali Jésus-Christ asali alpha pe oméga. La Bible dit que étant l'alpha et l'oméga, Jésus-Christ est le commencement et la fin. Bibelo bi Jésus-Christ kozala ka alpha pe oméga asali pe pandeli pe suka. Le commencement et la fin. Asali pe pandeli pe suka. Le premier et le dernier. Asali motali bosope ya suka. Celui qui est, qui était et qui vient. Oya asali pe azala ki pe akoya. C'est cela que la Bible explique. Ne yango limbola Bible ekopesa biso. Celui qui est, qui était et qui vient. Oya asali azala ki pe akoya. Celui qui est le premier et qui est le dernier. Oya asali ali bosope ya suka. Le commencement et la fin. E pandeli pe suka. Et donc celui qui est éternel. Ikoloba o azali seko. Car tu ne peux être, venir et être au passé si tu n'es pas éternel. Okoki kozala sekote soki ozalite pe ozala kite pe okoyate. Car lorsqu'on combine ces trois conjugaisons, osoki tosangisi maloba oyo misato, on voit que Dieu est capable d'être le même dans le passé, dans le présent et dans le futur. Tomoni ke nzamba na makoki kozala ndenge moko na lobi leka lelo pe lobi koya. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Alpha Omega veut dire aussi celui qui remplit toutes choses. Alpha pe Omega ikoloba pe oya kotondisa nyonso. Le A et le Z, celui qui est A et le Z au même moment est celui qui remplit toutes choses, le ciel, la terre et la mer. Tango balobi ozali A pe na Z deza moto kotondisa biloko nyonso na mbala nyonso. C'est celui qui engendre et qui amène à la perfection. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi, car il est celui qui engendre notre foi et qui amène notre foi à sa perfection. Il est celui qui débute, mais qui ne débute pas seulement, mais qui achève aussi. Et je te dis que ce qu'il a commencé dans ta vie, il va l'amener à la perfection. Même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'aimerais te dire que ce que Dieu a commencé dans ta famille, dans ton ministère, dans ce pays, Dieu l'amènera à la perfection. Il est celui qui crée, mais qui peut aussi détruire ce qu'il a créé. Il est capable de donner le souffle parce qu'il est l'alpha, mais il est aussi
aussi capable de retirer le souffle parce qu'il est oméga. Azana makoki akopesa pe mapoza li alpha, makoki pe akopote la pe mapoza li oméga. Il est celui qui crée ce monde par sa parole mais qui aussi par sa présence peut faire que ce monde disparaisse. Azali moto akela mokilio na liloba na ye. Na bozali sina ye pa osala ke mokilio elimo. Il est celui qui engendre le temps mais qui peut arrêter le temps pour nous amener dans l'éternité. Azali moto ko bibisa tango pe makoki akanga tango po mema biso na seko. Il est celui qui engendre l'histoire de l'humanité et qui est aussi capable de dire ça suffit. Azali moto ya banda mokilio pe li solo na yango. Il est celui qui était venu comme un bébé, mais qui ne reviendra pas comme un bébé, mais qui reviendra comme un lion. Azali oyaya ki lokola mwana moke, kasi akozonga lisusu te lokola mwana moke, kozonga na kozala lokola nkosi. Il est celui qui engendre l'église, mais qui enlève aussi l'église. Yende ko botisa eklezi ape koneto la yango. Il est celui qui te sauve, mais qui ne te sauve pas seulement, qui te justifie, qui te purifie, qui te transforme, qui te ressuscite au dernier jour et qui t'amène dans les airs et qui te fait asseoir à ses côtés pour l'éternité. Azali oya kopi ki sa oka kopi ki sa yote. Ye apesio boyenge bena sokolio. Apesio bo peto la mipe. Ako neto la yo. Po eteme mayona seko ovanda na epembe ni po libela na libela. Il est le seul, il est l'unique, il est le véritable. Azali sebo ye moko. Pe kaka ye seko pe yende a solo. L'alpha et l'oméga. Alpha pe oméga. J'aimerais lorsque tu diras alpha et l'oméga que tu puisses penser à toutes ces choses. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous lisons ces trois passages, il y a tellement d'enseignements et des prédications à donner. Mais je veux me concentrer sur deux ou trois choses et nous allons prier. Voici ce que ces passages nous enseignent. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. En dehors de Jésus-Christ, il y a point de salut. En dehors de Jésus, il y a point de salut. Alléluia. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il y a point de véritable bonheur. En dehors de Jésus-Christ, nos cœurs sont vides et nos vies sont vides. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien, nous sommes vides. Ses paroles nous enseignent ceci. Que bientôt Jésus-Christ va revenir pour mettre fin. Mettre fin à ce monde. Regardez ce ciel. Faites un effort. Bientôt il ne sera plus. Regardez cette terre. Là où vous mettez vos pieds. Bientôt cette terre ne sera plus. Regardez ces arbres. Regardez ces maisons. Bientôt ces maisons ne seront plus. Regarde ton frère. Regarde ta soeur. Bientôt ce corps fait de chair et de sang ne sera plus. Car il est l'alpha et l'oméga. Acclamons Jésus. Frères et sœurs, l'alpha et l'oméga est celui qui accorde et qui accorde le vrai bonheur. Alpha et Omega, azali oya kopesa yo kimia pe sengo ya solo. Souvent, lorsque les hommes parlent du bonheur, ils aiment parler du paradis. Mingi tamba tubalinga kolobela pomengo te sengo kolobela mingi paradis. Car le paradis symbolise pour nous le bonheur. Paradis pour la biso te sika ya bomengo. Allons dans Genèse 1 verset 1. Lorsque Dieu était en train de créer ce paradis, la Bible ne commence pas par le paradis. La Bible ne commence pas par le bonheur. La Bible commence par au commencement Dieu. L'alpha.
Alpha. L'alpha. Alpha. Bien-aimés frères et sœurs, chacun de vous ici est à la recherche du bonheur. Aucun homme ne cherche le malheur. Lorsque nous cherchons des belles maisons, c'est le bonheur que nous cherchons. Lorsque nous cherchons le mariage, c'est le bonheur que nous cherchons. Lorsque nous cherchons des maisons, la gloire, Kembo, le succès, Elonga, la célébrité, Lokumu, c'est le bonheur que nous cherchons. Et je suis venu vous dire ceci. Il n'y a qu'une seule fondation du bonheur. Il n'y a qu'une seule base du bonheur. Il n'y a qu'un seul qui peut te donner le vrai bonheur. Jésus-Christ de Nazareth. L'alpha du bonheur. En dehors de lui, personne ne peut te donner le bonheur. Pas ton mari, ta femme, tes enfants, ton ministère, ta voiture, ta maison, rien de tout cela. Bien aimés frères et sœurs, pourquoi est-ce que toutes ces choses ne peuvent nous donner du bonheur? C'est parce que le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut remplir. Tu peux mettre dans ton cœur l'argent, tu ne seras jamais heureux. Tu peux mettre dans ton cœur des maisons, tu ne seras pas heureux. Tu peux mettre dans ton cœur des voyages, tu ne seras pas heureux. Un seul donne le vrai bonheur. Celui qui est entré dans la barque de Pierre et qui l'a rempli. Celui qui a rempli la barque de Pierre. Nous sommes souvent comme des pierres en train de chercher toute la nuit à remplir nos cœurs. Jetant le filet à gauche et à droite, pensant que trouver une maison donnera la paix. Voyager donnera la paix. Jetant le filet à gauche et à droite, mais la barque reste vide jusqu'à ce que le créateur des poissons entre dans la barque. La Bible dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance, je crois en la prospérité. Mais un compte en banque rempli ne peut remplir le cœur. Je crois en la richesse, mais je sais que Bill Gates n'est pas l'homme le plus riche du monde. Je crois au succès, mais je ne crois pas que les hommes célèbres sont les hommes les plus heureux du monde. Où sont les hommes les plus heureux du monde? Des fois, ces hommes sont dans une bicoque, mangeant du pain et de l'eau, mais remplis de l'assurance du salut, convaincus que leurs péchés sont pardonnés et qu'ils ont une demeure au ciel, et que même s'ils meurent, ils sont sûrs qu'ils ressusciteront au dernier jour, car leurs noms sont inscrits dans le livre de vie et il n'y a plus de condamnation sur eux. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, ces hommes sont heureux. Qu'ils mangent ou qu'ils ne mangent pas, ces hommes sont heureux. Qu'ils aient des enfants ou pas, ces hommes sont heureux. Qu'ils marchent à pied ou pas, ces hommes sont heureux. Qu'ils aient un seul pantalon, ces hommes sont heureux. Pourquoi? Ils ont l'alpha du bonheur. Ils ont l'alpha du bonheur. Ne soyez jamais complexés devant les gens qui sont riches. Ne soyez jamais complexés devant les hommes qui ont des maisons et des voitures. Pourquoi est-ce que les célébrités se suicident? Comment est-ce qu'une femme comme Dalila s'est suicidée?
Comment est-ce qu'une femme comme Dalida s'est suicidée? Comment est-ce qu'un homme comme Michael Jackson devait prendre de la drogue pour dormir? Parce que Jésus-Christ seul, je dis Jésus-Christ seul, qu'on ne te mente pas que lorsque tu seras marié, tu serais heureux. Demande aux mariés, qu'on ne te mente pas que le jour que tu auras des voitures, tu seras heureux. Demandez aux gens qui ont parqué des voitures, qu'on ne te trompe pas. Jésus-Christ seul est capable de remplir ta barque par les efforts de ton filet. Nous devons revenir à cet évangile. C'est cet évangile qui nous a sauvés. C'est cet évangile qui nous a fait abandonner l'impudicité. C'est cet évangile qui nous a fait abandonner la musique du monde. C'était cet évangile-là. On ne nous a pas prêché les voitures et les maisons. On ne nous a pas prêché des Yoji Yamamoto. On ne nous a pas prêché des chaussures. Mais on nous a prêché une personne qui, lorsqu'elle vient dans ta vie, même si tu n'es pas fils de millionnaire, même si tu n'es pas fils de milliardaire, même si tu n'as rien dans ton compte en banque, tu te sens riche. Qu'est-ce que Paul avait? Qu'est-ce qu'il a laissé? Penses-tu que tu es plus heureux que Paul? Qu'est-ce que Pierre a laissé comme héritage à ses enfants? Pensez-vous être plus heureux que lui? Si tu cherches le bonheur en dehors de Jésus, tu auras des fausses joies, des faux sourires. Devant les gens, tu vas sourire. Et dans ta chambre, tu vas pleurer. Devant les gens, tu vas paraître heureux. Et dans ta chambre, tu vas souffrir. Mais Jésus ne nous donne pas un masque. Il nous donne une vie. Jésus ne nous donne pas un masque. Mais il donne une vie. Où tu n'as pas une vie de bonheur devant les hommes. Et lorsque tu vas dans ta chambre, tu enlèves le masque. Mais il te donne le bonheur. Qui est capable de tenir même dans un deuil. Où tu pleures. Mais il y a quand même la paix. Où tu manques, mais tu as la paix. Des fois même tu te poses la question, comment j'ai la paix? Parce que tu n'as pas la paix que ce monde donne. Tu n'as pas la joie que ce monde donne. Bien aimé frère, tu t'es suffisamment drogué comme ça. Essaye Jésus ce soir. Tu as pris trop de skol comme ça. Essaye Jésus. Tu t'es trop drogué comme ça. Essaye Jésus. Il n'y a la joie et le bonheur qu'en Jésus. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui ont la vraie joie de Jésus? Tiens-toi debout, dis j'ai la joie. J'ai la joie. Pas parce que mon père est ministre. J'ai la joie. Pas parce que j'ai l'argent. J'ai la joie parce que j'ai plus que l'argent. J'ai le créateur de l'or, du diamant. J'ai le créateur de toutes choses. Il m'appelle son fils et je l'appelle papa. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais ce passage nous enseigne aussi que ce monde va à la fin. Tous les trois versets que nous avons lus sont dans Apocalypse. Et vous savez que l'Apocalypse est un livre prophétique qui, à trois quarts, parle des événements de temps de la fin. Le début de l'Apocalypse parle des sept églises de l'Asie mineure.
qui sont aussi une prophétie sur les sept âges de l'église. Partant de l'église primitive jusqu'à l'église qui va exister avant l'enlèvement. Et le livre de l'Apocalypse n'a pas été révélé à n'importe qui. Lorsque Dieu est en train de donner cette parole prophétique à Jean, Jean était le dernier des apôtres qui était encore vivant parce que tous étaient morts, tués, décapités, sciés, torturés, crucifiés. Mais Jean était le seul qui avait vieilli. Pour ceux qui ne savent pas, tous les apôtres sont morts tués, crucifiés, sciés pour l'évangile que nous nous prêchons sous des belles lampes comme ça. Le jour que j'irai au ciel, je dirai merci à Paul. Je dirai merci à Jean. Ils ont accepté de prêcher cette parole dans des mauvaises conditions pour qu'on la prêche dans des bonnes conditions. Mais le dernier d'entre eux, Jean qui était le dernier, Jésus vient vers le dernier et il se révèle comme le dernier. Il vient vers le dernier pour se révéler comme étant le dernier. Il lui dit, je suis l'alpha, alpha, mais l'oméga. Et oméga, je veux te révéler des choses parlant de ce qui est et de ce qui viendra. Frères et sœurs, j'ai suivi un documentaire qui m'a fait très très mal. Et je prie que Dieu vous donne de suivre ce que je veux dire. C'était une émission. On était en train de questionner un grand homme qui observe le monde et surtout les religions. Et il faisait l'étude sur le gouvernement mondial et sur la venue de l'Antichrist. Et puis, on lui pose une question. On lui dit, qui peut stopper l'Antichrist? Qui peut s'opposer au gouvernement mondial? Et l'homme répond. Il dit les musulmans, pas les chrétiens. Il dit, pourquoi tu dis les musulmans, pas les chrétiens? Il a dit, parce que les musulmans, eux, ils continuent à croire en l'éternité. Ils sont prêts à mourir pour leur foi. Ils sont capables de mourir, ils n'ont pas peur de la mort. Mais les chrétiens, au début, ils n'avaient pas peur de la mort. Au début, ils étaient dans l'éternité. Mais le monde est entré en eux. Ils vivent que pour la terre. Ils ne sont pas prêts de mourir pour leur foi. Ils ne croient même plus que l'éternité existe. C'est pourquoi eux ne peuvent pas le stopper. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? Un musulman est prêt à mourir et aller dans un paradis qu'on leur prêche. Mais toi qui es là, est-ce que tu peux mourir pour ta foi?
Est-ce que tu crois même en l'éternité? Est-ce que tu crois en la vie après la mort? Est-ce que tu crois qu'après la mort, la vie continue? Lorsque Jésus-Christ s'approche de Jean, il vient pour lui dire: je suis l'auteur de l'histoire et je suis venu arrêter l'histoire. Il vient dire à Jean: l'enlèvement va venir. Bien-aimé, il y a un grand événement qui dépasse ton mariage et ton voyage et tes millions qui vient. Le retour de Jésus-Christ pour prendre les enfants de Dieu fidèles. Et la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront en premier et les vivants seront transformés. Il nous dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Jésus viendra comme un voleur dans la nuit sans crier garde. Si aujourd'hui Dieu décidait d'arrêter l'histoire de l'église, de fermer la parenthèse de la grâce et de prendre son église, toi qui as jeûné pendant 40 jours, est-ce que tu seras enlevé? Ce n'est pas le jeûne qui déclenche l'enlèvement, c'est croire en Jésus et vivre dans la sanctification. C'est croire en Jésus et vivre dans la sanctification. C'est croire en Jésus et vivre dans la sanctification. Je répète, c'est croire en Jésus et vivre dans la sanctification. Car il y a des jeunes que Dieu n'accepte pas. Et il dit à Jean, après l'enlèvement, ce ne sera pas la fin de tout. Car lorsque l'église sera enlevée, sur la terre la vie va continuer. Il y aura la tribulation et la marque de la bête et l'antichrist. Frères, sœurs, quand tu quittes ce pays et tu vas dans d'autres nations, tu te rends compte réellement que le système de l'antichrist est en place. Ils connaissent tout sur tout le monde. Une fois que tu mets tes pieds là-bas, ils connaissent tout sur tout le monde. Et la Bible nous dit, après l'enlèvement, lorsque l'antichrist viendra, il viendra avec une marque 666. Et lorsque nous parlons de cette marque, on se disait: comment est-ce que cela aura lieu? Est-ce qu'on va commencer à nous mettre du fer sur le visage et sur la main? Mais aujourd'hui, avec le développement technologique, nous voyons qu'il est possible de ficher tout le monde, de marquer tout le monde, de sorte même qu'on peut te mettre une puce dans le front et dans la main droite. Déjà aux États-Unis, on est déjà en train d'expérimenter cela dans la santé. Bientôt, ça se répandra sur toute la terre. Ou si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas étudier. Et avoir la marque de la bête, c'est avoir la marque du diable. Une fois que tu as la marque de la bête, c'est fini, Dieu ne te pardonnera plus. Tu es comme un démon, car Dieu ne pardonne pas aux démons. Vous qui n'êtes pas prêts pour l'enlèvement, est-ce que vous supporterez de vous opposer à l'antichrist?
Si rien que pour ces petites souffrances de ce temps, si tu abandonnes Dieu, est-ce que tu sauras accepter de mourir de faim pour ta foi? Et Jésus ne parle pas seulement du règne de l'Antichrist. Il parle de la troisième guerre mondiale. Bien-aimé, il y a une guerre qui est en train de venir, qui sera plus grande que la deuxième guerre mondiale avec Hitler. Car Hitler n'était que la préfiguration du véritable Antichrist. Regardez comment est-ce que les armées sont en train de se développer aujourd'hui. Il y a des arbres qui sont capables de faire tomber la pluie. Il y a des arbres aujourd'hui qui sont capables de répandre des épidémies. Ils sont capables de transformer même le climat. Et toutes ces armes sont en train d'être préparées pour une guerre. On appelle la bataille de l'Armageddon. Bien aimé, faites tout pour ne pas passer par ce temps-là. Dans les choses de Dieu, refusez le repêchage. Refusez le repêchage. Je refuse de passer en deuxième session. Oh Dieu, fais-moi grâce. Que ce que je prêche, que moi-même je puisse le vivre. Que ce que j'annonce, que moi-même je puisse le vivre. Car je peux prêcher, mais si je ne vis pas ce que je prêche, je ne serai pas enlevé. Et à cette guerre, l'Antichrist prendra toutes les armées du monde afin de combattre Israël. Israël est habitué à remporter les guerres. Mais cette fois, la Bible dit que la moitié d'Israël périra. C'est alors qu'ils vont crier vers Jésus qu'ils ont rejeté. Et Jésus reviendra pour eux. Et il leur présentera les mains. Et ils sauront qu'il n'est pas seulement le fils de Marie. Qu'il est l'oméga. Qu'il est l'oméga. Qu'il est l'oméga. Et il reviendra sur la terre. Régner pendant 1000 ans. Le diable sera lié. Mais après il sera délié. Il attaquera encore Jésus. À la bataille d'Og et de Magog. Et là Dieu arrêtera tout. Et il fera ceci. Le trône blanc sera établi. Le jugement dernier. Un jugement où tu ne peux pas corrompre. Où tu ne peux pas donner l'argent. Où tu ne peux pas fuir. Et la Bible dit une chose. Lorsqu'il paraîtra, le ciel va fuir. La terre va fuir. As-tu déjà vu un tel juge? La terre va fuir. Les cieux vont fuir. Et ceux qui sont sur la terre seront où? Dans les airs. Non, mon pépé. L'oméga viendra faire disparaître ce ciel. Car ce ciel est comme un habit qui a vieilli. Cette terre, c'est comme des chaussures qui ont vieilli. Dieu va créer bientôt un nouveau ciel. Une nouvelle terre. Il n'y aura plus de soleil.
Car lui sera le soleil. Il n'y aura plus de lampe. Car sa présence va nous éclairer. Il n'y aura plus de temple. Car lui-même sera le temple. Il n'y aura plus de deuil. Car tous nous serons éternels si tu es en Christ. Il n'y aura point de mère. Il n'y aura point de démon dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et la Bible dit, un livre sera ouvert, le livre de vie. Et il y aura aussi des livres pour récompenser ce que tu as fait. Dieu va te récompenser pour tout le travail que tu as fait. Toi qui as jeûné pendant 40 jours, tu as demandé le salut des âmes, tu as prié que les âmes soient sauvées, que les malades soient guéris. Même le petit verre d'eau un jour que tu as donné à un serviteur de Dieu, ce jour-là, Dieu te récompensera pour toutes les âmes que tu as gagnées. Serviteur de Dieu, bientôt ta véritable récompense vient. Gagneur d'âmes, bientôt ta récompense vient. Toi qui as exercé l'hospitalité, Dieu te récompensera. Le livre de vie sera ouvert. Et si ton nom est dans ce livre, tu entres dans la nouvelle Jérusalem céleste. Tu es la brebis du Seigneur. Mais si ton nom n'est pas écrit, tu iras en enfer. Je ne dis pas tu iras en enfer parce que ce n'est pas un souhait. Frère, sœur, si tu meurs sans Jésus, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Et tu finis en enfer. Si tu rates l'enlèvement, tu prends la marque de la bête, ton nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie. Je vous dis, frères et sœurs, est-ce que vous êtes sûr que vos noms sont inscrits dans le livre de vie? Je sais que tu vas à l'église. Je sais que tu as même des responsabilités. Et ton pasteur t'aime bien. Que tu pries deux fois avant de dormir. Mais est-ce que tu es sûr que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Que si tu meurs maintenant, tu vas au paradis. C'est pourquoi je termine avec cette conclusion. Jésus dit à Jean, je suis le premier et le dernier. Si on dit que ça c'est la première chair et la dernière chair, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en dehors de cette chair, il n'y a pas d'autre chair. Et quand Jésus dit, je suis le premier et le dernier, c'est-à-dire quoi? En dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Oh, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Il est le seul sacrifice que Dieu agrée pour ton salut. Il est le seul qui peut te réconcilier avec Dieu. Il est le seul qui peut te déclarer juste. Il est le seul qui peut t'adopter dans la famille de Dieu. Il est le seul qui peut te délivrer des démons. Il est le seul qui peut payer ta dette et te racheter.
Il est le seul chemin. Il est la seule vie. Il est le seul sauveur. Il est le seul sacrifice que Dieu accepte. Il est le seul qui brise les chairs. Ce n'est pas un homme qui te sauve. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas un pasteur. Il n'y a de salut que dans un seul nom. Et la Bible dit, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné pour être sauvés. Pas le nom de Marie, pas le nom de Mukuna, pas le nom de Mahomet, mais le nom de Jésus. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te présenter la compassion. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te présenter l'église compassion. Je ne suis pas venu te présenter le pasteur Marcelo. Et si même tu ne vas pas prier à l'église compassion, ce n'est pas ça mon problème. Je suis venu te présenter Jésus-Christ de Nazareth. Et si même tu es à la maison et tu m'écoutes dans ton salon, tu m'écoutes dans ta cuisine, tu m'écoutes dans ton magasin, Jésus-Christ t'aime. Il est le seul qui peut ôter les péchés. Il est le seul qui peut briser la malédiction. Il est le seul qui peut te ressusciter et te faire asseoir éternellement. Jésus, le premier, le dernier. Avant lui, il n'y a point de sauveur. Après lui, il n'y a point de sauveur. Cherche les sauveurs à côté de Jésus. Il n'y en a pas. C'est pourquoi c'est la seule croix du milieu qui sauve. La croix du milieu, la croix du milieu, la croix du milieu, la croix du milieu. Je suis venu te présenter Jésus. Et aujourd'hui, j'ai compris que souvent nous ne maîtrisons pas qui il est. Oh, Marie, lorsque Jésus est élevé, l'esprit est répandu. Lorsque Jésus est élevé, l'esprit est répandu. Jean était habitué de dormir sur sa poitrine. Il dormait sur sa poitrine. Lorsque Jésus-Christ a voulu révéler que c'est Judas qui allait le vendre, il dormait sur sa poitrine. Et on a dit, Pierre a dit à Jean, demande-lui, car il dormait sur la poitrine de Jésus. Et Jésus lui a parlé et il a entendu. Il lui a dit, celui qui va, à qui je veux donner le pain, c'est celui qui me vendra. Mais dans Apocalypse, le même Jean qui dormait sur la poitrine de Jésus dit, j'étais ravi en esprit. Là, pour entendre, il fallait qu'il soit ravi en esprit. Avant, il entendait sur la poitrine, mais là, il fallait qu'il monte. Et il entend une voix comme le son de la trompette. Et il se retourne pour regarder. C'était différent de celui sur qui il dormait. La Bible dit il est tombé. Parce que là ce n'était pas l'agneau. Là c'était le lion de la tribu de Juda. Là c'était celui qui vient juger le monde. Là c'était l'oméga qui vient pour juger. Et il dit, il avait des cheveux blancs comme la neige. Il avait le visage blanc comme la laine blanche. Ses yeux étaient des flammes de feu. Une épée sortait de sa bouche. Il avait une robe
longue. Et sur sa poitrine, il y avait une ceinture en or. Et la Bible dit que ses pieds étaient comme de l'airain poli, embrasé dans une fournaise. Il a supporté l'agneau, mais il n'a pas supporté le lion. Il a supporté l'agneau, mais il n'a pas supporté le lion. Ici, je te présente l'agneau. Mais fais attention, au dernier jour, il viendra comme un lion et tu ne le supporteras pas. Le même. Mais là, il n'était pas venu mourir. Les gens se moquent aujourd'hui de Jésus. Ils font même des films sur Jésus et l'insultent. Les gens disent je suis athée. Ils insultent les pasteurs. Ils insultent les églises. C'est le temps de la grâce. Un jour vient. Et nous sommes très très proches. Pour celui qui est mort comme un martyr, viendra comme un roi, comme un seigneur, sur un cheval. Et sur sa cuisse est écrit la parole de Dieu. Bien-aimé, celui qui a cru en Jésus devient l'épouse de celui qui juge. Et si tu es la femme du juge, tu n'auras pas peur du jugement. C'est pourquoi je vous exhorte aujourd'hui. C'est vrai que tu vas dans les églises. Aujourd'hui, fais qu'une seule chose. Car il y a des gens qui disent, qu'est-ce que je veux faire? Fais une seule chose. Répands-toi et crois. Répands-toi de tes péchés. Même si tes péchés sont noirs. Même si tu es le plus grand pêcheur du quartier, même si tu es le plus grand pêcheur de votre famille, c'est pour toi que Jésus-Christ est mort. C'est pour toi que cette croisade a été organisée. C'est pour toi que tous ces panneaux ont été mis parce que Dieu te cherchait. C'est pour toi que nous avons prié. Répands-toi aujourd'hui. Renonce à tes péchés et crois en Jésus. C'est tout. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Tu recevras le Saint-Esprit automatiquement. Tu seras racheté automatiquement. Tu vas naître de nouveau automatiquement. Tu entreras dans la famille de Dieu automatiquement. Et le Seigneur m'a dit de parler. Aux gens qui l'aimaient mais qui ne l'aiment plus. Beaucoup de chrétiens n'aiment plus Dieu. Ils n'aiment plus Dieu. Ils vont à l'église. Ils se disent chrétiens. Mais ils n'aiment plus Dieu. Ils ont même des responsabilités. Ils sont même prédicateurs. Mais leur premier amour a disparu. Rentre à la maison. Toi qui as quitté Dieu, je te supplie, reviens à la maison. Parce que si toi tu meurs dans cet état, c'est pire qu'un païen. Parce que toi tu pêches avec la connaissance. Et j'aimerais dire aussi à vous qui êtes debout, ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueux de vivre dans la sainteté. Ne vous sentez pas meilleur que les autres. N'insultez jamais les faibles. Vivez dans l'amour. Vivez dans l'humilité. Si l'autre a péché, si Dieu ne te fait pas grâce, tu pécheras aussi. Sortons de ce christianisme de condamnation, ce christianisme d'orgueil, où on se sent meilleur que les autres, on est plus saint que les autres, on craint Dieu plus que les autres. Si tu es fort,
supporte les faibles. J'aimerais dire à tous ceux qui sont debout, ne vous fatiguez pas d'être debout. Continuez. Persévérer. Cette année encore, vis dans la sainteté, vis dans la consécration. Que Dieu te bénisse ou pas, que tu aies l'argent ou pas, que Dieu te lève ou pas. Je ne suis pas venu te promettre des choses de cette terre aujourd'hui. Je suis venu te promettre le ciel. Je suis venu te promettre le ciel. Serviteur de Dieu, tiens bon. Même si dans ce pays on ne nous respecte pas, notre honneur ne vient pas des hommes. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui va nous récompenser. Serviteur de Dieu, n'abandonne pas. Continue. Tu fais le meilleur travail sur la terre. Tu fais le meilleur travail sur la terre. Tu fais le meilleur travail sur la terre. Car toi, tu permets au ciel de se remplir. Même si les choses sont dures, même si il y a une forte lutte, continue, homme de Dieu. Le Dieu qui t'a appelé, qui a commencé avec toi le ministère, t'amènera de gloire en gloire. Et la plus grande récompense, c'est de mourir dans la fidélité. Et si Jésus revient, il te trouve en train de donner la nourriture convenable au temps convenable. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce, et que cette parole atteigne son but dans vos cœurs, dans vos âmes et dans vos esprits. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont jeûné. Que Dieu vous voie et qu'il accomplisse son but et son plan. Oh frères et sœurs, vous savez, lorsqu'un homme dribble, s'il ne marque pas, alors il a dribblé pour rien. Ce message, tu l'as acclamé. Tu as dit Amen. C'est une bonne chose. Mais Dieu veut plus que cela. Il veut que ce soir, tu puisses te repentir. Il veut que ce soir, tu puisses lui donner ta vie. Il veut ce soir, que tu puisses revenir à lui. Alors que nous chantons ce cantique, I surrender all, na pesio nyoso. J'invite devant, nos yeux fermés, j'invite devant tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus ce soir. Acclamons le premier. C'est pour toi que cette croisade a été organisée, mon frère. Approchez-vous. Crée-toi un chemin protocolaire, aide-les à venir jusque devant. Nous qui sommes forts en Christ, prions pour eux. Cette croisade ne sert à rien sans eux. Sans eux, ça ne sert à rien du tout. C'est pour eux. Ce n'est pas pour nous qui sommes déjà sauvés. C'est pour eux. Et ça pour la bango. I surrender. Prions pour eux. Bonde la pour la bango. Venez. Boya bandeko boya. Poussa na liboso boya. Venez. Je vais attendre la dernière personne. J'attendrai la dernière personne. J'attendrai la dernière personne. Ne dis pas, je suis en retard. J'attendrai la dernière personne. Viens,
je t'attends, je t'attends. Viens, viens, je t'attends. D'autres personnes là-bas aussi. D'autres là-bas, d'autres là-bas. Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je? Que ferais-je? Venez, 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 venez. Il y a la place ici. Agenez-vous là. Que ferais-je sans toi? Oh, que serait mon histoire? Serait mon histoire enlevé, Jésus. Oh, que serait mon histoire? Serait mon enlevé, Jésus. Oh, que serait mon histoire? Venez, 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 venez. Oh, si c'était à refaire, si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Jésus. Oh, si c'était à refaire, si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Oh, Natiela, oh, Motema, Motema, Natiela, oh, Motema. Le Saint-Esprit est à l'œuvre en ce lieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre en ce lieu. Pour le salut de ses âmes. Vous allez prier avec moi.
Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une fête au ciel. Car il y a un futur évangéliste qui va se convertir aujourd'hui. Une future prophétesse. Un futur pasteur. Un homme qui va aller et va amener le réveil dans le monde. C'est le moment le plus important de cette croisade. Car la maternité du ciel est ouverte. Vous allez me suivre dans la prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je te reçois. Dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Remplis ma vie de ta présence. Remplis ma vie de ta présence. Délivre-moi de toutes mes fautes. Fais de moi un homme nouveau, une femme nouvelle. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Les ouvriers, ne partez pas. Tenez-vous debout. Les ouvriers vont vous donner des dépliants. Vous allez remplir ça. Ça va nous aider à venir vous visiter dans vos maisons. Et nous vous invitons déjà demain à 16h. À Limete, 2e rue, quartier industriel numéro 6. On doit vous suivre par des affermissements, que vous soyez baptisés. Demain à 16h à Limete, 2e rue, quartier industriel numéro 6. Prenez ces dépliants qu'on vous donne. Ça nous permettra de vous suivre. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Est-ce que vous sentez cette onction qui coule? Il y a une présence. Nous prenons le temps de récupérer ces dépliants. Alors que la chorale chante, nous allons prier maintenant pour la guérison des malades et pour la libération de la puissance de Dieu au milieu de nous. Bandeko bozoko mabozengi siba papier toko sambela sima bona lopiko ya babeli bebo kangola mia bakangami. Tu cherches l'onction pour servir Dieu, olukaka epakola mi pona kosalela nzambe, pour tenir des croisades, pona kosala mi lulu ya libanda. Sois prêt, bongisa masiko, même si tu es derrière là-bas,
Le vent de l'esprit va te toucher. Tu ne parles pas en d'autres langues. Tu vas parler en langue ce soir. Le vent du Saint-Esprit va te toucher. Là-bas. Même avant que je commence à prier, l'onction déjà est en train de travailler. La puissance de Dieu est en train de couler. Les malades sont en train d'être guéris. Les gens sont en train d'être baptisés de l'esprit. Parce que je sens que Dieu est pressé d'agir. Il est pressé d'agir. Prions. Bientôt la croisade va prendre fin. Maintenant, prie de tout ton cœur. Et la baba chante. Nom de Jésus, qui brise toute la chaîne, brise toute la chaîne, brise toute la chaîne, qui brise toute la chaîne, brise toute la chaîne, brise toute la chaîne. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Jésus, il y a une puissance dans ce monde glorieux, dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus, qui brise toute la chaîne, qui brise toute la chaîne, qui brise toute la chaîne, qui brise toute la chaîne. Prie de tout ton cœur. Demande quelque chose à Dieu. Demande quelque chose à Dieu. There is power in the name of Jesus. In the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Le chêne tombe.
chair de temps, le 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 chair de temps. Devant ce nom puissant, le chêne tombe. Écoutez à présent, si tu as déjà remis ton dépliant et tout, tu peux rentrer à ta place, nous allons prier. Il faudrait qu'il y ait de l'ordre, je ne veux pas de la confusion, s'il vous plaît. Laissez seulement les gens qui sont déjà touchés par la puissance de Dieu devant, mais tous les autres, si tu as déjà rendu ton dépliant, tu rentres à ta place, s'il te plaît. Est-ce que vous sentez cette présence? Elle vient pour tout le monde. Elle vient pour les choristes. Elle vient pour les hommes de Dieu. Elle vient pour les mamans. Elle vient pour les papas. Elle vient pour le chrétien d'hier. Pour le chrétien d'aujourd'hui. Elle vient pour tous ceux qui ont faim et soif. Yes. Yes. Alléluia. Il est là. Salut. L'alpha et l'oméga. Alpha et Omega. Indareko Sentaraba. Indaraba Shadu. Si tu es malade, c'est le moment de demander ta guérison. Soki osopela, tango yango ya kosenga lobiko na yo. Si tu as un problème grave, c'est le moment de manifester ta foi. Si tu désires le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le moment de le demander. Si tu désires l'onction de Dieu sur ta vie, c'est le moment de la demander. Prions, prions, prions. Lèvons les mains. Lèvons nos voix, nous sommes tous debout, nous prions.
tend les mains. Le Seigneur veut guérir les malades. Quelle que soit ta maladie, Dieu a vu combien elle te fait souffrir. La Bible dit que dans ses meurtrissures nous sommes guéris. La Bible dit vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris. Le fait seulement de lever ma main sur toi même de loin, je t'impose la main, tu seras guéri. Il ne veut pas que l'aveugle reste aveugle. Il ne veut pas que le sourd reste sourd. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta maladie, j'invite les hommes de Dieu, Dave et Pasteur Bishop, ils vont m'aider à recueillir les témoignages en bas. Et quand le Seigneur va te guérir, ce n'est pas toi qui vas témoigner. Tu vas seulement dire à l'oreille d'un homme de Dieu, lui va témoigner à ta place. Toi, tu ne vas pas prendre le micro. Tu vas seulement dire, j'avais telle maladie. Le Seigneur m'a guéri de cela et lui va dire à ta place. Tous ceux qui sont en bonne santé, vous allez prier pour ceux qui sont malades. Et toi qui es malade, touche seulement là où tu as mal. Prions pour la guérison des malades. Prions au nom de Jésus. Fall again. Prions. Cite ta maladie par son nom. Même si les médecins ont dit des choses, même si les médecins t'ont condamné, aujourd'hui c'est le jour de ta guérison. Prions pour les malades, prie le Seigneur. Père, Papa, au nom de Jésus, na kombo na Yesu, il est écrit dans ta parole, et koma mina liloba na yo, tout ce que vous demanderez nyonso boko senga, en mon nom, na kombo na ngai, je le ferai, na kosala yango, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tu as dit dans ta parole, allez, purifiez les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts. Seigneur, nous sommes là et nous te présentons tous nos frères malades, toutes nos sœurs malades. Nous les amenons au devant du trône de la grâce et nous demandons
Que tu les guérisses. Ce soir. Miraculeusement. Je prie que tu guérisses les yeux. Que tu guérisses les oreilles. Que tu guérisses les os. Guéris les nerfs. Fais disparaître les cancers. Fais disparaître, Seigneur, tout problème de cœur. Fais disparaître tout problème de rein. Tout problème d'estomac. Tout problème de peau. Toute folie. Le sida. La malaria. Toute hypertension. J'ordonne à tous les démons de maladie qui sont en ce lieu de quitter les corps. Allez dans les lézards. Sortez. Quittez les corps. Esprit d'infirmité, sort. Esprit d'infirmité, va-t'en. Stérilité, va-t'en. Fibrome, va-t'en. Myome, va-t'en. Hémorroïde, va-t'en. Appendicite, va-t'en. Toutes sortes de maladies. Sortez! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Tu es guéri. Obiki. Tu es guéri. Obiki. Tu es guéri. Obiki. Tu es guéri. Obiki. Touche là où tu avais mal. Tu es guéri. Obiki. Tu es guéri. Obiki. Tu es guéri. Obiki. Rendons grâce à Dieu. Disons à Dieu merci. Merci Seigneur. Car il est écrit dans ta parole. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez l'avoir reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Au nom de Jésus. Merci pour ces hommes, ces femmes qui sont guéris par ta puissance aujourd'hui. Là où tu es, toi qui es guéri, lève tes mains. Venez devant. Tu sens que tu es guéri, viens devant. Alors que nous chantons, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Approchez devant. Nous célébrons le Seigneur. Approchez-vous. Acclamons le Seigneur pour tous ceux qui viennent. Acclamons le Seigneur. Quand Dieu fait des miracles, il faut acclamer. J'ai besoin de Dave. J'ai besoin. Tu es guéri, viens. Oh, venez. Acclamons le Seigneur. Tu sens que la maladie t'a quitté. Viens, viens, viens. Oh, gloire à Dieu. Un autre micro ici. Il y a au moins trois personnes pour qu'on ait le temps. Quand vous avez déjà un grand témoignage, vous donnez. Bien, Dieu t'a guéri d'une maladie. Tu étais venu malade, maintenant tu es guéri, viens. Ne partez pas encore, nous n'avons pas prié pour le baptême de l'esprit et pour l'onction, pour l'évangélisation. Si vous pouvez aider le pasteur Bishop avec le micro. Écoutons les témoignages à présent. S'il y a déjà un témoignage que nous pouvons recevoir. Oh, donne ça.
Gloire à Dieu. Oh, yeah. Marchez, papa. L'alpha et l'oméga. Gloire à Dieu. Qu'on écoute le papa. Dev, écoute ce papa qui a laissé ses béquilles d'abord. Qu'il puisse parler qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Si ou sa femme peut témoigner. Meko Dev, papa, aloba. To moi aloba. Écoutons le témoignage, s'il vous plaît. To pesa ye micro, to maman aloba. Bana bazo sepela. Yes, soa lokumu. Yes, soa zanzambe. Yes, soza monene. Écoutons. Toyoka. Dieu n'a pas fini, ne partez pas encore. Zamba sillicité, pokende na noté. Si tu as une béquille, laisse-la aussi. Si ton frère a laissé sa béquille, toi aussi aie la foi. Jette ta béquille et marche. Soki ozana ba béquille to banzete. Ngenge moko moni papa tiki yaye. Yo petit kondima so banzete la kitika ngou. Pasteur, notre papa, on l'a vu venir, on le transportait et on l'a déposé de l'autre côté. Interprète. Papa Nabiso, nenge bomone a tanga yaki aba mema ki akomema, pe nenge batiaki na ngambo mosusu. Et maman nous dit que ça fait 6 ans qu'il était dans ce problème. Yesu. Oh, l'alpha et l'oméga. Maman Lopi, et salim boula motopa. Papa n'a mis ça dans la coco soyo. Et il y a un autre alpha et oméga. Et ce problème a engrangé qu'il y ait un problème aussi de sang et de sucre. Les cambo est bon ici, les cambo sous. Et même les coco soyo dans ma kila, paye à soukali dans nos autres. Et le cœur. Dans mon thème. Mais quand nous avons prié, Jésus. Tangoto sambeli. La gloire de Dieu est tombée sur papa. Kembo l'ensemble qui t'a dit papa. Et quand la gloire de Dieu est tombée sur papa, il a pu jeter les béquilles par la foi. Et maintenant nous avons les béquilles entre nos mains. Et nous glorifions le Seigneur Jésus qui a compris toutes ces choses. Jésus. Acclamons le Seigneur très très fort. Et tu peux croire pour ta maladie, tu peux croire pour ton problème. De dormir ici. Passons à d'autres témoignages. Dieu a fait quelque chose de terrible dans ton corps. Viens nous dire. Oui. Homme de Dieu. Yes. Aujourd'hui, Dieu est en train de visiter les eaux. Yes. Notre papa, il dit qu'il a fait pendant 2 ans. Il souffrait de douleur au niveau de son genou. Mon papa n'a pas ça. A salim boula mi palé. Coco son à ma polo, t'as la zone de guisa ma colo. Et lorsqu'on a prié, Dieu l'a complètement guéri. La douleur est partie. Comme vous pouvez le voir, il peut bouger. Papa Ningana, sautez. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Écoutons là-bas. Pasteur, dans la Bible, il y a une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Papa, la Bible a donné le sol à moi aussi.
Mais sous nos yeux, nous avons une femme qui a perdu le sang pendant 6 ans. Et aujourd'hui, quand nous avons prié, la gloire de Dieu est tombée. Toutes les douleurs qu'elle ressentait, qui faisaient couler les sangs, sont parties. Jésus est le même hier, aujourd'hui. Alléluia! Bishop, Bishop, dis-nous. Maman était et avait de fortes fièvres, elle avait de la malaria. Ce soir même, la malaria est partie, la fièvre est partie. Mon frère avait un problème d'hémorroïdes depuis 2006. Ce soir même, il a senti toute la douleur partie et Dieu l'a guéri. Maman, Azala qui n'a fait faire les nzoto, kaka nenga to sambeli a piki. Ndeko na biso pa ki na koko sambu na mi pale. Dera to sambeli portali pour me tungi ça y est. Mbula mi pale kei. Depuis 2006. Utambobu. Koto mi pale na motopa. Acclamons le Seigneur. Kopeteli Yesu mapoko. Oui. John. Dieu vient de faire quelque chose de formidable. Zambe ko sala loko akoka moi. Notre frère, il a fait une semaine avec la fièvre. Il a pris une décision avec la foi qu'il prendra point de médicaments. En venant, il tremblait fortement. Mais lorsqu'on a prié, on a imploré le nom de Jésus. Ils se sont complètement guéris. La fièvre a quitté son corps. Devant le Seigneur. Pasteur. Notre Dieu est vivant. Ça fait 9 ans. Et ça, notre soeur n'arrive pas à se tenir toute droite. Parce que son genou et ses articulations font qu'un pied est enflé et l'autre doit rester en arrière. Mais quand nous avons prié, la gloire de Dieu est tombée sur elle. Elle parvient à se tenir tout droit maintenant là. Elle est totalement guérie. Elle glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué, papa. Oui, Bishop. Maman avait un sérieux problème de tension, au point que c'était jusqu'à 20. Maman a dit na koko so tension comme atakino tout comme il. Au courant de la semaine, elle a prié de tout son cœur. Et te pose mon ma sambela qui monte mon ami. Que Dieu la guérir, qu'elle soit à la croisade. Zambabi qui ça la milulu. Elle est venue, sa partie droite ne fonctionnait pas. Sa partie droite ne fonctionnait pas. Et ce soir même, tout est redevenu normal et Dieu l'a guéri complètement. Acclamons l'alpha et l'oméga. En même temps aussi, il y a mon frère qui avait de fortes douleurs de dents. Simplement par la simple prière, la douleur est partie et il est complètement guéri. Acclamons le Seigneur. Dieu vient de faire quelque chose de formidable. Notre frère, il a consulté le médecin. Le médecin a attesté qu'il a un problème d'hernie bilatérale. Hernie bilatérale. C'est-à-dire de deux côtés. Et ce qui fait qu'il n'arrivait même pas à faire la miction. C'est-à-dire uriner. Il n'arrivait même pas à marcher. Mais pendant que l'homme de Dieu a dit, touche là où tu as mal. Il a touché là où il avait mal. Maintenant où nous sommes en train de parler, il a senti la douleur disparaître de son corps. Et Dieu l'a complètement guéri. Va dans la foi, Dieu t'a guéri. Pasteur, quelque chose de formidable. Je vois la sœur qui pleure. Notre maman est venue ici, elle a fait 12 ans de rhumatisme. 12 ans. Maman a bien soigné qui awa. Mbula somi na mibale bokono ya mikuwa. Et elle n'arrivait même pas à bien bouger son pied droit. Mais quand nous avons prié, la gloire de Dieu est tombée sur elle. Elle est en train de bouger ses poings. Bougez, maman, bougez. Maman, acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Oui. Maman, ça fait presque 10 ans. Elle a des douleurs d'estomac atroces.
et il y a une veine à côté du cou qui la faisait très mal. Mais par la simple prière, elle a senti la douleur quitter son corps. Elle a senti ça quitter son corps. Et toute la douleur est partie. Et même dans le cou, c'est fini. Oh, Dieu l'a complètement guéri. Maman Boula Zomina Misato, Anna Koko sur l'estomac, Akina Mosi, Samoko, Anna Kingo, Kosa le Passi. Et bon, on t'a auto sambeli. Passi estomac, Kei. Kingo, Pe, et Kei. Ma soeur avait un problème d'hémorroïdes, au point même de saigner à tout moment. Avant de venir ici à l'église et ici à la croisade, elle a saigné. Mais quand simplement vous avez prié, le premier signe, elle a senti toute la douleur partie, elle a même sauté et le Dieu l'a complètement guéri. C'est à toi, garde cela. Alléluia. John. Ce soir, Dieu a donné une bénédiction comme un paquet. Une guérison comme un paquet. Oui, John. C'est-à-dire la soeur que vous voyez, elle était malade, elle souffrait de kyste ovarienne. Et le médecin a fait l'opération, rien ne se rétablit. Et le médecin même a déclaré que dans sa vie, si elle n'accouche pas, elle restera stérile toute sa vie. Et au moment où nous, on était en train de prier pour la guérison, il a senti, elle a senti la main de Dieu l'a touchée, la guérison de Dieu s'installait dans son corps. Elle avait encore une douleur au niveau de sa cuisse, oui. Dieu l'a guérie. Elle a senti que son corps était soulagé. Dieu l'a complètement guéri. Acclamons le Seigneur. Deux miracles dans un corps. Qui a encore des témoignages? Levez les mains. Ah, on va dormir ici. Tolala. Tolala. Oui. Oui, Dev. Nous allons prendre alors deux témoignages là, deux ici, et puis je prie pour vous, d'accord? Et tous ceux qui ont des témoignages, on vous attend à la compassion. Dimanche, venez témoigner, on veut vous écouter tous. Amen. On a un culte de quelle heure? 7h à 9h30, 10h à 12h30, on veut écouter au premier, au deuxième culte. Si on finit pas, l'autre culte jusqu'au... On veut tout entendre parce que nous aussi on est étonnés. Amen. On ne comprend rien, on veut savoir ce que Dieu a fait. Oui, nous prenons deux là-bas, deux ici et deux là-bas. Oui, Dev. Oui, Bishop. Que Dieu soit loué pour ce qui est arrivé dans la vie de ma soeur. Elle avait un sérieux problème dans son bas-ventre, au point qu'elle n'arrivait même pas à bouger. Mais pendant que vous avez prié, elle a senti une chaleur dans son bas-ventre et la douleur est complètement partie. Elle peut maintenant bouger sans problème. Oh, merci. Comme moi, si nous avons fait qu'il y a un passe, il y a un alibumo. Voilà ton sambeli, monte, coti, pe passe, il y a un peu de soucis. Aujourd'hui, tous ceux-là qui ont des problèmes d'hernie, Dieu les a guéris. Mon frère avait un problème d'hernie depuis 6e primaire. Oh. Mais Dieu l'a guéri ce soir parce que pourquoi? Il avait même quelque chose qui gonflait. Oui. Mais quand vous avez prié, c'est parti. Le quelque chose qui gonflait, qui a disparu. Oui, qui a disparu complètement. Il a touché, il a vérifié. Il a touché. C'est parti. Frère, tu as vérifié. Acclamons le Seigneur. Dès que moi aussi, il y a des gens qui ont concours à Hermie, où tu as 6e primé. Et là, comment vous te fiez maquillé? Oui, John. Notre sœur, depuis 2014, elle a souffert de maux de tête pendant 2 ans. De maux de tête. Elle dit même que, on l'avait dit que dans sa famille, on travaillait qu'elle soit folle, qu'elle devienne folle. Et elle n'arrivait même pas à entendre de bruit, de fortes bruits. Et ce soir, au moment de la prière, Dieu l'a complètement guérie. Elle sent sa tête dégagée. Dieu l'a guérie ce soir. Tu ne seras jamais folle au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Pasteur, notre bien-aimé, ça fait 13 ans qu'il souffre de l'hémorroïde. 13 ans. Pendant 13 ans. Et ce miracle a déjà commencé il y a une semaine à l'église. Mais aujourd'hui, pendant que nous avons prié, la gloire de Dieu est tombée sur lui et il se sent totalement libre et guéri et il le confesse au nom de Jésus. Alléluia. C'est bon. Nous terminons là, oui, Dev.
John. Notre maman est en train de témoigner. Mm. Elle dit que sa fille prie ici, elle est protocole. Oui. Elle a invité pour participer dans elle ce a sa programme. Fille qui prie à la compassion. Exactement. Elle avait le mot des dents. Mm. Ça l'a dérangée complètement. Elle ne savait pas comment s'éteindre. Mais lorsqu'elle est arrivée ici avec la conviction que ce soir, Dieu va la guérir. Pendant la prière, elle a senti la main de Dieu et la douleur, le mot des dents est parti. Telle qu'elle est là, elle est complètement guérie. Le dentiste des dentistes. Nous finissons avec ce dernier témoignage et nous prions. Oui. Pasteur, ce frère depuis son enfance a l'hernie des deux côtés, à gauche et bilatéral. À droite. Bilatéral. Mm. Et pendant que nous avons prié, et il a vu comme si on était en train d'intervenir chirurgicalement dans sa vie. Et il est en train de sentir même maintenant là une chaleur au niveau de sa ceinture. Le chirurgien des chirurgiens. Amen. Il sent qu'il est totalement libre et guéri et il le déclare au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur pour toutes ses guérisons. Acclamons le Seigneur. Tiens-toi debout, dis merci Seigneur. Ce sont des économies. Au lieu d'aller mettre l'argent dans les hôpitaux, Dieu t'a guéri gratuitement. Rentre à ta place avec la foi. Car Dieu t'a réellement guéri, ça ne reviendra plus jamais. Et on a besoin d'entendre vos témoignages. Venez dimanche. On va les écouter. Je comprends aujourd'hui ce que la Bible dit. Et plusieurs furent guéris. On ne sait pas comment on va faire. Je suis dans la joie, une joie.